Vous êtes sur RTL. C'est votre préféré, Chantal ? Moi, bon, j'avoue que j'ai un gros fait pour Pierre Bénichoux, qui est, je sais pas s'il est aux toilettes actuellement, mais en tout cas, c'est mon préféré. Je suis pas aux toilettes, mais pour dire que tu me fais chier. Mais d'où ça vient, ça ? Des toilettes. Il arrive, alors il est transformiste, il me balance des trucs. Mais t'as pas assez d'académicien pour te marier, non ? Mais tu es pas du Nord, toi. Moi, je suis pas du Nord ? Ah si, d'Afrique du Nord. Moi, je suis pas du Nord. C'est une question. Je suis pas du Nord. J'ai un cousin, il est allé une fois jusqu'à Bruxelles. Ah ! Il est gentil comme garçon. À quel âge vous avez quitté l'Algérie, monsieur Bénichoux ? J'ai quitté l'Algérie quand vous l'avez fait quitter. J'ai quitté l'Algérie quand vous avez offert le pétrole à nos amis. À vos amis. Ah oui, j'ai quitté l'Algérie. Je n'ai jamais quitté l'Algérie. Elle m'a jamais quitté. Elle est restée dans mon cœur. Elle est restée fichée dans mon cœur, l'Algérie. Ah, regardez. Hein. Vous êtes content quand on dit ça ici. Ah, oui. Et quand il s'agit de prendre le fusil et de venir avec moi, il n'y en a pas beaucoup. Bande de salopards, voilà. Ça, des Français ? Ah bah, non, monsieur ! N'insultez pas les dames. Oui, d'abord, elles n'y sont pour rien. D'abord, ces dames n'y sont pour rien. Ensuite, elles sont venues. Ces dames ? Oui. Elles sont venues uniquement portées par leur désir. Hein ? Exactement. Regardez. Elles n'osent pas dire non. Hein, alors. Les trois dames, là, cinq même, qui sont au premier rang. Non. Il y a deux lascars. Elles n'ont pas de poils sur la tête. Non, mais il y a des poils sur le dos. C'est quand même reconnaître les hommes des femmes. Il y a un transformiste. Ah bon ? Vous en avez... Tu m'as dit, c'est pareil. Vous en avez trois ici et deux là, qui m'ont confié, avant que vous installiez tout à l'heure, être venus pour vous et être au premier rang. C'est vrai ? Pour vous faire plaisir. Elles auront un petit baiser. T'as vu, elles ont une petite écuelle pour recueillir tes postillons. Un postillon. Pauvre déshérité.